Salut Nat, tu vas où? Quelque part où tu peux pas aller pour moi. Bah, qu'est-ce que cette cabane? C'est pas des toilettes quand même? J'entends rien, t'as oublié de tirer la chasse d'eau quoi? Mais non, mais c'est des toilettes sèches, y a pas d'eau en fait. Mais tu sais qu'à chaque fois que tu tires la chasse d'eau, c'est entre 10 et 14 litres d'eau qui partent dans les toilettes. Ça représente à peu près un tiers de la consommation des ménages. Donc les toilettes sèches, c'est économique et écologique. Moi je veux bien, mais ça marche comment sans eau alors? Eh bien c'est très simple, regarde, ici on a le trône du roi et juste à côté on a un bol avec de la sûre et une fois que tu as soulagé la nature, il suffit de mettre un petit peu de sûre dedans. Moi je veux bien, mais les choses de la nature justement, où est-ce qu'elles vont? Eh bien juste en dessous, ici, il y a un seau à la place de la cuvette, ce qui fait que quand le seau est plein, on le vide, on l'arrose un petit peu pour que le compostage se fasse bien et la décomposition commence, et voilà, au bout d'un an, on utilise le compost pour le jardin. Bah jardiner avec ses excréments, moi, ça me gêne un peu, hein. Ah oui, bah si tu savais avec quoi ils jardinent les agriculteurs, tu sais que parfois ils utilisent les boues qui viennent des fosses septiques et des stations d'épuration. Ça c'est un petit peu burk, non? Alors que le compost, lui en revanche, il a été dégradé par des micro-organismes qui viennent directement de la terre. Ouais, je suis presque convaincu, mais tes toilettes sèches là, ça sent pas un peu mauvais comme truc? Bah non, ça sent beaucoup moins d'ailleurs que les toilettes normales, parce qu'en fait tu remarqueras déjà que tout ce qui est désodorisant pour toilettes ont été pas du tout inventé pour les toilettes sèches. Mais justement, ici, avec la sûre, ça absorbe toutes les odeurs, alors que l'eau, au contraire, ne se mélange pas avec les matières fécales et c'est ça qui fait que ça sent pas très bon. Bon, et ben moi je vais aller tester tout ça en allant dans un endroit où personne peut aller pour moi, hein. Et vous les toilettes sèches, qu'est-ce que vous en pensez ?